Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9e et peut-être dernier épisode de mon let's play sur le jeu The Legend of Zelda Link's Awakening. J'ai dit peut-être tout simplement parce qu'en fait, même s'il n'y a que 8 donjons, donc normalement techniquement en plus du donjon secret on est au dernier épisode, j'ai oublié de faire quelques petites choses qu'il va peut-être falloir que je fasse maintenant. Donc ce que je vous propose, on est parti et je vous explique tout ça. Allez go! Alors, je vous avais laissé ici, sachant que j'ai fait une connerie. Il me faut le bouclier niveau 2 pour aller au dernier donjon. Au donjon numéro 8. Le souci, c'est que ce bouclier niveau 2, le bouclier reflet, qui permet de refléter et les flammes et les lasers des créatures qui envoient les lasers, des tours qui envoient les lasers. Le problème, c'est que ce truc-là, en fait, se trouve dans la tour du vautour et j'ai complètement zappé de le récupérer. Du coup, je vais me taper toute la route, je vais chercher le bouclier, je vous montre bien sûr où il est dans le donjon. Et je vous retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Allez, à tout de suite. Donc, me revoilà dans la tour. C'est pas très compliqué. C'est le coffre de l'étage numéro 2 que j'ai oublié. Voilà. Le tout, c'est dire... tourner, je me suis planté. C'est par là, si je me souviens bien. Alors, il faudra que je... Ah, voilà, c'est ce coffre-là. Il faut que j'arrive à faire en sorte que le bouton soit tourné dans l'autre sens. Ça me paraît pas très difficile. Merde. Est-ce qu'il n'y a pas un bitonio qui traîne d'ailleurs à cet étage? Que j'aille plus vite. Ouais, si. Il y a celui-là. La question, c'est est-ce que je peux revenir sans souci? Ouais, il y a peut-être moyen. Hop. Voilà. C'était pas très compliqué et tout ça pour ça. Voilà, maintenant je peux bloquer le laser. Donc c'est plus pratique. Je vous montrerai évidemment pourquoi j'en aurais besoin de ce bouclier. Maintenant, on va pouvoir aller au roc de la tortue. On va pouvoir aller au dernier donjon, le roc de la tortue. Je vais aller plus vite que ça même. Hop, on va prendre le TP. Alors, en fait, je vous explique. On va aller au nord-ouest du coup. Parce qu'en fait on est allé au nord-est pour ce donjon, le dernier donjon est au nord-ouest, c'est tout à gauche, là où on n'a pas encore exploré. Alors, on a presque exploré toute la map en fait. Hop, on va juste se TP, je pense que ça va être plus pratique si on se TP et qu'on passe par le... par chez Monique. Je pense que ça va être quand même un poil plus pratique. On va pouvoir remonter plus facilement, ouais, c'est carrément plus simple. C'est carrément plus simple. Ça va beaucoup plus vite. Et alors, je sais plus si j'ai besoin de la loupe. On va dire que non. On va dire que j'ai pas besoin de la loupe. La loupe, c'est un item qui ne peut pas s'activer en fait, qui est pas actif. Et merde, non, mais non, ça c'est le œuf. La loupe, c'est un item qui est pas actif, mais qu'on récupère au bout de la quête des échanges. S'il faut, je le ferai. Je me souviens plus du tout. Parce que cette partie-là, je le refais assez rarement. Parce que généralement, quand je refais le jeu, c'est les premiers donjons. Et après, au bout d'un moment, j'oublie de finir. Genre, je laisse pour une journée. Et puis, hop, c'est fini. J'ai oublié. Alors, on va passer par là, évidemment. Ça, c'est le truc classique pour monter en haut. Ah, je sais pas. En fait, je sais pas si c'était plus rapide. Il faut que je remonte là où il y avait le poulailler, en fait. Hop.
Voilà, donc on y est presque. Et si il faut, on finira tout ce qu'il faut. Il y a le boomerang aussi à récupérer. Le boomerang, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller à la plage. Il y a un endroit où il y a une bombe qui permet de, d'ouvrir une grotte. Et en fait, dans cette grotte, on peut échanger la pelle contre la, le boomerang. Donc c'est soit la pelle, soit le boomerang. Franchement, à partir d'un certain niveau, la pelle sert plus à rien. Donc go boomerang. Voilà, donc cette partie-là, on peut pas y accéder sans, dès qu'on n'a pas le, enfin, tant qu'on n'a pas le gratin. Ah oui, là, il y a Marine. Au secours ! Eh, voyou ! Des monstres horribles m'ont posé ici. J'ai peur car j'ai le vertige. Hop. J'ai eu peur, voyou. Merci. Oui, voyou, voyons, comment te dire ? Tu sais ? Oh, c'est trop mignon ! Marine ! Oh là, Tarquin ! Non, non, rien, je dois partir. C'est tellement mignon. Ouh, cette fille a chanté en face de l'œuf sa balade du poisson rêve. Mais c'est la chanson d'éveil. Désirait-elle vraiment le réveiller? Le prochain instrument est dans le roc de la tortue. Anime ses rocs, sois brave. Le poisson rêve attend. Ouh, ouh. Je fais toujours aussi bien le hibou. Allez, cette partie-là. C'est... Ah, ici. Ah, attendez. On va soulever cette merde. Là, il y a de quoi bomber. Ouais, c'est ça. Hop, quart de cœur. J'en ai pas trouvé beaucoup, hein. J'ai pas spécialement cherché plus. Mais il y en a pas mal, les quarts de cœur. Il y a encore de quoi faire deux cœurs complets. Donc ça veut dire qu'il y a trois cœurs complets de disponibles en quart de cœur. Étant donné que là, je vais en gagner un dernier avec le roc de la tortue. Et il m'en restera deux pour faire les lignes complètes. Tiens. La question que je me pose, c'est est-ce que ici, quand on a le poulet, on peut pas venir? Si, il y a moyen. J'ai jamais vérifié ce qu'il y avait sur les côtés. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ah. Cette partie-là, il va falloir le bouclier. Donc là, c'est pas très compliqué. Il faut se mettre... Merde, faut se passer comme ça et longer le mur. Voilà. Pas très dur. Là, je crois qu'il y a un coquillage. Ah non. Peut-être dessous, j'ai la flemme de sortir la pelle. J'ai trouvé 50 rubis, merveilleux. Là, on est vraiment proche du roc de la tortue. Je sais plus ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ok, d'accord. Ça, c'est le passage vers le roc de la tortue. Évidemment, avec les flammes, je peux pas... Enfin, si, je peux passer avec le bouclier, mais je voulais voir ce qu'il y avait à gauche. Tout à gauche. Ok, d'accord. Là, ça permet de redescendre vers le plateau tartare et le marais. Donc cette partie-là, voilà, c'est pour ça que je suis allé chercher le bouclier niveau 2, parce que sans ça, en fait, on peut pas le passer. Enfin, si, on peut le passer, c'est faisable, mais c'est compliqué et ça vous laissera un petit peu exsangue. Ok, donc là, voilà, c'est la... une des toutes premières zones que je vous ai montrées. Et là, c'est l'entrée du roc de la tortue. Mais sauf que le dragon là est figé, il faut qu'on le réveille. Je suis tellement en train de lui pourrir la face. C'est trop fort. Franchement, ce double de dégâts permanent, c'est juste broken. Aïe. Un rubis. Allez, c'est parti. Niveau 8, roc de la tortue. Merde. J'ai sauté dans la lave. C'est vrai qu'il est pas sur le même plan que moi. Tant pis. Alors, une des grosses mécaniques de cette zone, c'est ceci.
C'est un machin qui permet de faire des chemins. Parce que, évidemment, on peut pas se déplacer trop sur la lave. La carte. La carte qui est bah, en forme de tortue, évidemment. C'est un gros donjon. Un bon gros donjon, comme on n'en fait plus. En forme de tortue. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les premiers Zelda, les donjons ont une certaine forme qui leur est propre et qui est très révélateur sur leur leur personnalité, hein, entre guillemets. Alors... Ouais... Ah, merde. Oh, et oh! Je vais tellement crever dans cette... dans ce donjon. Ok. Le bec de pierre. Au moins on aura l'indice, même si je sais plus du tout lequel c'est. Là pour le coup je voyage un petit peu plus à la bec. Ah oui c'est vrai que je crois qu'il y a tous les boss. Je crois qu'il y a tous les boss. En tout cas les mid-boss qui sont là. Ah non mais oh je l'ai lâché tout de suite. Putain mais... Merde, non! Mais non! Putain, je suis le vrai Brel. Oh là là! Mais non! Mais j'appuie trop vite! Quoi? Ils sont pas censés être moins forts! Oh putain! J'étais nul, hein. J'étais particulièrement nul. En plus, je crois qu'il repop. Ah, il y a l'indice là-bas. Putain, il s'est tourné du mauvais côté. Comble tous les trous avec le roc qui roule et cette croix directionnelle est la solution. YOLO c'est. Ça pour le coup je le savais. Je vais avoir besoin de ta vie. Ah. D'accord, ça permet de retrouver le chemin. Ah, de la poudre, je vais en avoir besoin parce que j'en ai plus du tout. Putain, je suis revenu tout au début. Aïe. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose dans cette salle qui me permet de passer à droite. Du genre un bouton. Ouais, il y a un bouton. Nice. Eh yeah. Oh, je me suis fait troll. Ah. Merde. Là, je peux passer. Ouais. Alors là, je peux passer. Et donc, du coup, c'est dans ce genre de salle où il faut que je fasse ce que donne l'indice, c'est-à-dire il faut que je comble les trous. Donc pour ça, rien de plus simple, parce qu'en fait, notre personnage est figé. Il suffit juste de faire ça. Alors après, il faut trouver le bon passage. Hein. Généralement, c'est un ou deux passages, pas plus. Enfin, un ou deux moyens. Saloperie. Donc j'ai une petite clé, ça me permettra... Donc cette partie-là, en fait, elle est faite. Elle est réalisée. J'ai chopé la petite clé. Je peux pas aller plus au nord, à part sur la salle d'à côté, sauf que, en fait, c'est qu'une descente. Je ne peux pas remonter. Donc, ça veut dire que ce côté-là, il a été complètement fait. Ce morceau-là du roc de la tortue a été fini. Il y a d'autres passages, potentiellement. Ah, merde. Je peux sauter en même temps? Je suis pas sûr que ça a été prévu. Ah, bon. Là, il me faut l'item du donjon hein, pour pouvoir passer. C'est des blocs de glace, machin. Ah oui, et c'est là que ça permet de descendre. Ah, ok. D'accord. Ça marche comme ça. Je redécouvre un peu, hein. Je me souviens un petit peu, mais pas trop. Alors là, je sais plus si remplir toute la salle fait quelque chose, je crois pas. Ok, par ici on peut pas passer. Donc je suis obligé de redescendre par là, c'est sympa.
Donc j'arrive plus à parler, je bégaye. Sur le côté droit, on sait qu'on peut plus du tout passer. On va essayer d'aller plutôt par là. Merde, par là, je suis déjà passé. Oh! Bah alors? La question, c'est comment je fais pour rentrer maintenant? Ouais, par là. Ok. On va y arriver un jour. Putain de merde. Je peux pas m'accrocher à quelque chose là en face? Non. Bon là je viens de me joliment me suicider. Ok, bon, on va essayer de rentrer quand même. On va finir par y arriver. On va essayer là où ça va passer. Ok, ici c'est bon. On peut même utiliser la clé. Alors là, il me faut une autre clé. Donc en fait, il n'y avait que ce passage-là qui était correct. Eh ben. Quoi. Ah, attendez, parce que là, j'ai qu'une seule clé. Je peux pas aller plus loin. Ah si, je dois pouvoir aller à la gauche à partir de la salle de départ. Je crois. Attendez, je vais revoir ce qu'il y a à droite. Ok, casse-toi. Je vais essayer de le tuer. Ok, non. Je vais recall au début du donjon. Il faut une petite clé supplémentaire. Je pense qu'on peut l'attraper en passant par ici. Il faut que je tue ce bidule. Eh oh. Quoi. Ok, un. Casse-toi, merde. Voilà, c'est bon. Donc là, je peux passer à gauche. Ok. Alors toi, mais tu vas tellement pas faire long feu. Ça, c'est facile. Ok, là aussi, on doit pouvoir faire quelque chose. Yeah. Jésus fric. Triste. Ah, bon là il me faut la nouvelle arme que je n'ai pas encore. Ok, on va descendre par ici. Là c'est du fric. Alors toi, mets-toi. Rah. Tout aussi simple. Ok, la deuxième petite clé qui me manquait, elle est là. On va voir ce qu'il y a en bas quand même. Ça peut être important. Ouais. Alors, je sais plus s'il repousse, s'il attire. Ah, il attire. La boussole. Ok. Bon bah on va recall hein. On va revenir au début. C'est plutôt pratique. On va prendre ça, ouais. Et on va essayer d'aller ouvrir cette petite porte. Enfin, il y a une clé. Ah, une porte avec une petite clé.
Voilà. Celle qui est juste à droite. Ok, donc là il y a un passage à sens unique, et là il y a un passage pas à sens unique. T'es invincible pendant que tu fais ça. Ok. Je suis où là? D'accord, je suis près de la porte du boss. La masse d'items. Je peux pas passer par la gauche, évidemment. Je peux passer que par le haut. Ok, prends le grappin. Hop. Ce rocher est très fissuré. Oui, je sais. Donc. Détruis les monstres à la clé par le haut. Quoi? Ah ah. Il y a peut-être quelque chose avec ces blocs. De toute façon, j'ai plein de bombes. Ah. Ah mais faut que j'allume les trucs et j'ai pas de quoi les allumer encore. Si j'ai la poudre. Crétin, celle-là je peux. Celle-là je peux les allumer. Ça servait à rien. Ouais. En plus, ça s'éteint tout de suite. Ok, je me souviens plus ce qu'il faut que je fasse dans la salle. Tant pis, de toute façon, il me faut une clé en plus. Clé que j'ai pas. Par contre, là, il y a une petite clé qui est disponible. Ah oui, putain, c'est vrai qu'ici, je peux pas, j'ai pas le droit de m'arrêter. Si je m'arrête, je suis mort. Il y a des trous partout. Ok, la clé, c'est bon. On va voir ce qu'il y a à gauche. S'il faut, on reviendra. Et merde. Par contre, il y a une petite clé ici. Ok. Donc on a sorti une clé. Je sais pas du tout laquelle c'est, parce que là, en fait, c'est l'entrée du boss. On va voir. Est-ce qu'on peut passer par là, tiens? Non. Je suis passé par là. D'accord. On peut pas du tout passer par là, on dirait. Ah, par contre, ici, c'est intéressant. C'est tout? J'ai déjà le médoc secret. Bon. On a une petite clé. Il y a deux endroits où on peut l'utiliser. On va commencer par là. C'est le plus proche. Ok, c'est l'entrée du boss. Ça mène où ça? Ça mène dehors, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, ça mène dehors. Et un quart de cœur. Ok. Ah, et donc il est là le dernier TP. Ah oui, donc ça, ça permet de revenir au. Au donjon, et là ça permet de passer par ici. Ah putain, il faut que je tue les machins d'ici. Oh que ça va être chiant. Le seul moyen de faire ça. Merde. Me dis pas que j'y arrive. Merde. Oh merde. J'y suis arrivé. Et la petite clé qui me manquait. Nice. Donc on est plutôt bon en termes de petites clés. On est bien.
Après, j'ai plus beaucoup de munitions, que ce soit en bombe ou un truc comme ça. On va faire un aller-retour rapidement par les TP pour valider le TP, parce que du coup, sinon, on peut pas le valider. Ça me servira à rien, mais en même temps, pourquoi pas. Donc du coup, voilà, on a les 4 TP disponibles. On n'en a pas plus. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, je sais plus si... tuer le machin permet d'ouvrir la porte. On va vérifier. S'il pouvait revenir. Ouais. Donc, passant par là, on peut... Là, il y a une petite clé à utiliser. On peut aller chercher ça. C'est de la thune. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais. Là pareil, tut. Ça me semblait pas très compliqué. Encore une petite clé. Passer par là. D'accord, ici il faut véritablement l'objet que je n'ai pas. Pas trop le choix. En fait, le bouclier il sert pas à grand chose si tu te déplaces bien. Alors là par contre. Ok. Ah si, je crois que je sais. Je crois que je me souviens de ça. Ouais, c'était ça. Là, en vrai, il y a la blinde de petite clé. Hein. Ah, cool, des ressources. Nice. Donc, j'ai ma petite clé que je vais devoir utiliser. Donc, on sait qu'il y en a une là de... utilisable seulement, il faut passer par un passage, je sais pas où c'est, je suppose que c'est un passage où il y a des glaçons, donc je peux pas encore y accéder. Ici c'est fait, donc je sais où il reste, c'est là où on a fait exploser les cailloux. Il manque, il y a un passage avec une petite clé, on va y aller. Hop. Là aussi, il y a un passage avec une petite clé disponible. Ça change rien. Ah si, là il y a un truc avec une petite clé. Il doit m'en rester une, il m'en reste une, nickel. Parce que là du coup, on va pouvoir utiliser le grappin, atterrir sur le truc d'en face, et ouvrir. Donc il doit m'en rester une. Enfin, il doit m'en rester une à trouver, évidemment. Mais... putain de merde. Souillure de... voilà. Pas très compliqué, hein, pourtant. Un truc avec des boutons. Je crois que j'ai pas trop le choix. Faut que je descende. Ah d'accord, c'est le boss. Ah ah. Il m'a mis groggy. Bon ok, d'accord. C'est pas très compliqué, il suffit d'attendre qu'il se décale et puis c'est bon. Ok, donc là... et donc là, je vais dans le cul. Parce que je ne sais pas du tout où il y a ce putain de bouton. Il y a un bouton qui traîne. La question c'est où? Il y a un monsieur bouton qui doit traîner quelque part. Je n'ai aucune idée de là où il est. Pas gentil tout ça. Putain de merde.
Merde alors. Il y en a un qui traîne, mais alors où? Peut-être dans la case là où j'ai pas pu y accéder. Ça me paraît bizarre cette histoire. Merde alors. C'est pas là. Peut-être en faisant le tour. Est-ce qu'il me reste pas 36 milliards d'endroits que j'ai pas encore explorés? La grande clé, je sais où elle est. C'est celle qui est tout à gauche. C'est le coffre qui est tout à gauche. La dernière petite clé qui me manque, c'est le coffre qui est à gauche sur ma ligne. L'item final, il est à droite, tout en haut. Il me manque un truc avec des boutons. Donc, seul moyen d'y accéder, c'est de faire le tour. Ou pas par là, évidemment. Fais chier! Fais carrément chier! Ah! Comment je fais pour rentrer du coup? Est-ce que je vais devoir appeler l'ocarina? On va faire retour. Je suis sûr qu'il est dans le passage auquel je peux pas accéder. Ça m'énerve. Encore heureux qu'il y a le TP pour aller chercher l'item. Hein. Bon, j'aurais pété un câble. Mais non! Ok. Putain, mais il est chiant. On va passer par là. Je vais chercher le bouton. Ok. Laisse-moi passer. C'est le mur d'après. Est-ce que je peux y accéder, tiens? Oh, il y a fortement moyen, là. Oh, putain, c'était là. C'était ça. Ah oui, je pouvais y accéder à partir d'ici aussi. Donc j'ai appuyé sur le bouton. Je pense qu'il n'y a pas moyen que je rentre. Je suis obligé de faire le tour. Enfin, je pense que ça doit reset. Le fait d'utiliser le mambo de bidule, là, ça doit reset. Donc on va faire le retour à pied. Tant pis. De toute façon, ça prend à peine plus de temps. Et j'ai l'item pété, le bâton de feu. Alors, maintenant ensuite, il faut que je retourne tout à gauche. Je vais peut-être faire le tour en fait. Je vais peut-être repasser par la gauche. Il faut que j'aille chercher le petit coffre qui est à gauche au milieu. Avant de pouvoir accéder au reste. Ok, d'accord. C'était peut-être un petit peu préventueux de ma part, je sais. Ok, je suis carrément plutôt bien. Faut que je fasse tout le tour. Mais c'est plutôt simple à partir d'ici. Est-ce qu'il suffit que je fasse ça? On tue tous les machins verts. On passe par ici.
Ok, on n'est pas loin. C'est juste en dessous, à gauche. Passer par là. Voilà. Donc là, faut que j'escende. Donc c'est pratique, hein, le bâton de feu. Hein. La petite clé. Ensuite, je vais revenir au début, parce que je sais où il faut que je passe. Je crois. Je crois que je sais où il faut que je passe. De toute façon, c'est soit... Là, il faut passer par les petits passages où il y avait des blocs de glace. Et il n'y en a que deux, si je me souviens bien. Et ils sont de toute façon très proches les uns des autres. Du coup, on va y arriver. Ouais, c'est un donjon qui est assez tortueux, hein, au final. Hein. Alors, je pense que c'est lui. Si c'est pas lui, c'est l'autre. De toute façon, il y en a un qui mène au boss. Et l'autre qui mène... Putain, là, il va falloir que je sorte le... Le bumper. Hop. C'est des blocs de glace. Ok, c'est bon. Donc là, c'est un peu relou. Parce qu'en fait, il faut que je fasse les deux. Putain. Sauf que si je passe par là... Merde. En fait, il y a une technique. De faire ça. Ah, merde. Je me suis un peu planté sur celle-là. Ok, c'est bon, c'est passé. Y'a pas besoin de faire le tour, normalement. Alors par contre, t'es pas obligé d'aller si loin, la petite fée. Ok, donc là, pour faire la clé, il faut que je fasse le tour. La question, c'est, est-ce que je vais y arriver d'un coup? Eh ben non. C'est pas possible. En tout cas, je vais pas du tout y arriver de la façon dont j'y suis arrivé, là. Ah. Essayer de faire autrement. Comme ça, ça me paraît déjà mieux. Merde. J'ai tourné trop tôt. J'ai tourné un peu trop tôt. Nickel. La grande clé. On va revenir au début. Parce que le petit passage qui permet d'accéder au boss est au début. Ah oui, c'est tortueux. Hein. Moi, j'ai passé, je me souviens, j'ai vraiment passé longtemps sur la première tentative de donjon. Parce qu'il est pas très... Il est pas linéaire, en fait. Là, il donne l'impression d'être linéaire, mais quand il faut chercher ce qu'on veut, il est pas du tout linéaire. Hop. J'apprenne à marcher aussi. C'était pas là. Ah merde alors. Voilà, c'est là, évidemment le petit souci que j'ai sur ce... Putain. Sur cette partie-là du donjon, c'est que je me souviens jamais où est le passage qu'il faut. Merde. C'est pas du tout le bon passage. Je cherche. Je cherche où est-ce que j'aurais pu laisser un passage auquel je ne pouvais pas accéder jusque-là. Il doit bien être quelque part. Est-ce qu'il y en aurait à gauche? Peut-être à gauche. Je vais rapidement checker. Passer à gauche. Au moins ça va vite pour tuer les adversaires.
Alors par contre faut pas que je fasse trop le kéké. Voilà, c'est bon. Juste à trouver le passage. C'est tout ce qu'il me faut. Soit il est là, il est possible que ce soit là-haut. Mais non, j'y étais déjà. Je suis un abruti. Bah merde alors. T'es où? Merde, par contre c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est peut-être pas forcément un passage où... C'est peut-être un passage où il faut que je tue mes adversaires aussi. Je crois que j'ai trouvé, en fait il était tout à droite, il était par ici. On va y aller. Ouais, ça devait être celle-là en fait. Ouais, c'est carrément celle-là. Ok. Donc on va placer ça, ça. Donc seul moyen de passer, c'est par là. Alors là par contre c'est un poil plus tendu. Je vais être obligé de faire ça. Comment je peux passer? Merde. Ah si. Ok, ça c'est bon. Ok. Ok, c'est passé. D'accord. Nickel, on va pouvoir y aller. Splash, tu vas mourir. Jamais je te laisserai jouer des instruments des sirènes. Bon, c'est pas très compliqué. Oui. Jusque là, ça va. On peut lui taper plusieurs fois d'ailleurs. Oh, je suis tellement en train de lui pourrir. Je suis tellement en train de défoncer la figure. Ah oui, par contre, il fait mal, hein. Et bim! Rien n'aurait changé. Tu ne peux pas réveiller le poisson rêve. N'oublie pas, nous faisons tous partie de son rêve. Et oui, nous sommes tous dans un rêve. Les habitants, les monstres, tout le monde. Et bim! Le dernier donjon est fini. Tu as le tambour des marées. Petite marche militaire. Et voilà, nous avons le dernier des instruments, des 8 instruments, mais ça fait un bout de temps que j'enregistre, je pense qu'on va s'arrêter là. L'heure a sonné, l'œuf sacré te réclame. Et comme ça, ça fait un gros cliffhanger pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, du coup, on fait l'œuf, mais pas tout de suite. Je pense qu'on gardera en fait les 10 dernières minutes pour l'œuf, parce qu'en fait, il n'y a pas de donjon final, contrairement à la plupart des Zelda où il y avait un donjon final avant le boss final. Là, c'est directement une petite énigme tout... assez simple au final. Si vous avez bien exploré l'île, généralement vous la trouvez facilement. On va faire un petit peu les trucs manquants, je pense. On fera faire un petit peu les trucs manquants avant d'y attaquer. Donc pas tout, évidemment, je vous laisserai le plaisir de la découverte. Mais par exemple, on va faire des trucs comme finir peut-être la liste des trocs. Genre comme ça. On lui file... Christian. C'est une photo de Peach. Voilà, donc c'est la lettre de madame je sais plus quoi qui lui envoie une photo de Peach. Donc voilà, ça c'est, on récupère le balai, on va finir ces quêtes là, les petites sous-quêtes comme ça, je pense qu'on va essayer de les finir, ça va être un petit peu drôle, et ensuite on attaquera le boss final. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.